crazy mother. Salut les Master Geeks, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Master Geek. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de n'importe quoi, hein, comme vous pouvez voir à côté de moi, c'est parfait. Je vais vous parler de For Honor. Voilà, je vous en ai parlé un petit peu en détail de For Honor lors du podcast des Master Geeks qui est tombé il n'y a pas longtemps cette semaine. Et je n'avais pas donné de note au jeu parce que je n'avais pas eu le temps à ce moment-là de bien approfondir le DOS, comme on dit chez nous, en Touraine. Et aujourd'hui, je vais baisser peut-être un peu le son, parce que sinon, voilà, ça va venir crypter. Voilà. Donc, voilà. Le jeu, moi, je vous en ai parlé. J'étais plutôt séduit par la nouveauté d'Ubisoft. Et donc là, j'ai eu le temps de le saigner bien comme il faut et d'en découvrir un petit peu les petits secrets, les petits mystères, venir essayer, rejouer constamment, parce que c'est vrai que les modes de jeu restent plus ou moins limité, il y a quand même que trois modes de jeu en tout, hein, domination, match à mort, et puis duel et rise, donc quatre modes de jeu. Et donc ça reste limité, et voilà, le côté un peu répétitif de la chose, est-ce que ça pouvait justement être un frein à mettre une bonne note à For Honor, ce nouveau jeu d'Ubisoft montréalais? Écoutez, moi je suis très séduit, hein, je trouve que ce jeu ne manque pas de cachet, l'univers est très présent. Les serveurs, donc les problèmes de serveurs que je vous parlais lors du podcast se sont légèrement améliorés. Voilà, les serveurs sont légèrement plus stables. Hein. Il y a des moments où on continue à se faire déconnecter, mais c'est jouable. C'est-à-dire que vous avez la capacité de pouvoir jouer quand même. À un moment, je ne pouvais plus jouer, hein, le week-end avant la présentation, avant le podcast. Il y a un jour, je pouvais même presque plus jouer. Et donc voilà, donc Ubisoft nous a quand même récompensé, hein, nous a envoyé un mail en s'excusant de l'instabilité des serveurs, nous a donné un statut de champion un peu prolongé pour tout le monde avec la possibilité d'avoir un peu plus d'expérience, un peu plus d'argent. Voilà, ça c'était le petit cadeau d'Ubisoft. Ubisoft, c'est pas grand chose, mais ça a le mérite d'être là. C'est vrai qu'on aurait pu avoir un petit peu plus par rapport aux serveurs parce que c'est vrai que Ubisoft est connu pour avoir des serveurs médiocres. Et ils font que des jeux maintenant de plus en plus multijoueurs, donc ça je pense que c'est vraiment un des défauts qu'ils ont. Donc la qualité du jeu, parce qu'il a des défauts bien entendu, mais il y a des qualités, voilà, le côté univers, la baston, la violence, voilà, les personnages sont travaillés, la personnalisation aussi. Moi j'en attendais au début beaucoup, pour le moment un peu moins, j'avais peur que ce soit redondant. Mais c'est vrai qu'en y jouant, j'ai juste, quand on voit ça, là, quand on voit ces images quand même, c'est pas de cette qualité-là quand on joue, bien entendu. Visuellement, c'est très joli, là, c'est pas aussi beau que ça. Kansei, voilà, j'aime beaucoup Kansei. Là, c'est le Sentinelle, et puis là, c'est l'Erzir. Donc voilà, c'est les trois personnages principaux, ça me permet d'en parler un peu plus. Trois personnages principaux, et ce qu'on appelle les gardiens, voilà, c'est les trois personnages qui vous sont déjà disponibles, qui sont des personnages polyvalents avec plusieurs capacités. Ils n'ont pas de capacités spécifiques, du moins c'est pas des tanks. Voilà, c'est un personnage polyvalent qui est accessible à tout le monde. Voilà, une petite chatouille, je t'avais dit, Yomi, une petite chatouille sur le podcast. Et regarde, il se relève, bim, il arrache la flèche. Hein. Ça, c'est un viking. Donc voilà, ça vous. En fait, c'est un petit peu la trame de la campagne. Ça me permet de faire vraiment un lien avec le podcast. Donc voilà, c'est. Et c'est la personne qu'on verra dans la campagne, que vous verrez dans la campagne. Donc voilà, For Honor, tip top. Après, quelle note je vais lui donner? Quelle note Ringo des conseils Master Geek va-t-il donner à For Honor? Écoutez, il a quand même quelques défauts par rapport au graphisme, du moins au niveau du visuel. Parce que quand vous approchez d'un mur, le mur a tendance un petit peu à se décomposer en pixels. C'est pas très très grave. Alors après, c'est est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une volonté de Ubisoft de pouvoir vous laisser le visuel sur. Parce que je me suis posé la question, c'était pas une volonté d'Ubisoft de vous laisser un visuel sur les combats? Parce que quand vous arrivez à un mur, votre caméra en fait est
censé être derrière le mur. Est-ce que c'est pas une volonté de vous de continuer à voir votre personnage? Je ne sais pas. Écoutez, Yomi a l'air plus ou moins perplexe derrière cette caméra. Écoutez, voilà. Bon, ça c'est un défaut parmi les serveurs. Quelques manques de mode de jeu encore, je pense, et j'espère que ça va arriver. Les maps, par contre, il y en a beaucoup. Des personnages, il y en a quelques-uns. On est censé en avoir d'autres, comme l'annonce de Season Pass. Donc voilà, moi je suis séduit. Alors, quelle note, j'ai même pas réfléchi à quelle note je pouvais lui mettre. J'hésite entre le 15, le 16. Je suis un petit peu à cheval entre les deux. J'ai envie d'être impartial aujourd'hui. Alors, c'est vrai que moi, le monde du médiéval, le monde chevaleresque, c'est quelque chose que j'ai toujours affectionné depuis ma tendre enfance. Hein, les Brevoort, les 300, que des films violents. Et les Aigles du Sang, ça c'est un truc à l'image des jeux que j'adore faire, qui sont présents dans ma vie. C'est vrai que bon, je leur donnerais bien. Je lui donnerais. J'hésite, hein, entre 15 et demi, peut-être. 15 et demi, ce serait la. Ou 16. On va partir sur 16. Je pense que c'est. Alors, c'est un peu élevé. Et je vois Yomi qui fait un visage. Ou 15. Je ne sais pas. J'ai pas encore pris ma décision. Mais en fait, si vous voulez, ça se trouve un petit peu en ces eaux-là. Est-ce que tu lui donnerais, est-ce que tu lâcherais 70 € pour ce jeu-là et tu te sentirais blousé ou pas? Bah, je l'ai fait, je me suis pas senti blousé. Bah alors on va jusqu'à 16. Voilà, moi je mettrais voilà, 16 parce que je trouve que l'initiative est bonne. Du sens où, dans le sens où c'est un jeu qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est pas comme Rainbow par exemple, même si qui était quand même très différent des autres jeux de shoot, mais ça reste un jeu de shoot. Je trouve que là, on tape sur un jeu qui est quand même très différent, avec avec un travail acharné. Je trouve que voilà, l'ambiance a été bien travaillée. Moi, j'ai envie de récompenser Ubisoft pour cette initiative, parce que Ghost Recon, pour moi, c'est pas ouf dingue, dans le sens où Ghost Recon, on a déjà eu. Alors même si le monde va être ouvert, même si voilà, le travail est intense, le paysage travaillé, je trouve que voilà, c'est pas quelque chose. On s'y attend. Rainbow. Il y a de la nouveauté, mais c'est un jeu de shoot. Et des jeux de shoot, il y en a depuis des années et des années, constamment, de plus en plus, et on n'a pas fini d'en avoir. Voilà, For Honor, c'est un jeu qui, voilà, qui est différent. Voilà, je vous incite vraiment à l'acheter parce que c'est le bonheur de venir se défouler. En plus, il y a un mode de map, donc je ne savais pas trop ce que c'était le mode de map à l'époque. Mais voilà, il y a un mode de map contre l'IA. En fait, c'est même pas un multijoueur, c'est votre map à vous. Et vous devez affronter les différentes factions. C'est un mode de map comme stratégie, un peu comme le risque. Et vous devez, toutes les 3 heures, c'est reboot. Et en fonction de ce que vous avez, de vos statistiques de combat, de défense que vous avez mis sur votre map, et ben ça se reboot et d'un coup, bah, soit la faction samouraï, moi je suis la faction viking, la faction samouraï vous a bouffé du territoire, soit vous avez bouffé du territoire de la faction samouraï et inversement pour la faction chevalier. Ce qui fait que vous êtes constamment obligé de faire des combats en ligne pour récupérer des unités, enfin des ressources que vous récupérez après les combats qui sont propres à ce mode de jeu. Et ça, c'est un petit mode de jeu que on entend très peu parler parce que je pense que les gens n'ont pas encore trop saisi ce que c'était. Mais quand on s'y arrête, c'est plutôt intéressant ce qu'elle fait, que ça vous permet à vous, pendant les temps de pause entre chaque partie, de pouvoir y jouer, de pouvoir continuer à faire autre chose. Je trouve que voilà, tout a été pensé, les chargements sont un petit peu longs, mais ça c'est les serveurs. Voilà, mais j'aurais envie de mettre 15 parce que j'aurais envie de sanctionner les serveurs quand même. Ça me fait chier pour le travail quand même. 15. Je vais mettre un 15 qui pourrait se transformer en 16 si les serveurs sont meilleurs. Voilà, je vais mettre 15. On va rester sur 15, ça reste honnête. Ce qui est une très bonne note en soi, hein. 16, ça aurait pu être avec des très bons serveurs. J'espère que ce mode de jeu, cette façon de faire un jeu vidéo, va se propager chez Ubisoft. J'espère qu'ils vont retirer des leçons pour Assassin's Creed. Parce qu'il y a des modes de combat qui peuvent ajouter de la difficulté dans Assassin's Creed qui peuvent être pris un peu sur For Honor et ça peut être super intéressant et enfin nous donner un des vrais combats parce que les combats sont gigantesques, hein, ils peuvent être incroyablement beaux. Hein. Alors, vous pouvez mourir comme une grosse merde parce que vous n'avez pas contré et vous faire enchaîner, mais vous pouvez faire des combats d'une toute beauté. Voilà, moi je trouve que bravo Ubisoft, vous avez bien travaillé. Et voilà, il va falloir voilà, bon, maintenant vous vous axez sur un autre travail qui est le serveur et pas des moindres sur un jeu multijoueur. Donc voilà, 15, c'est une bonne note. Écoutez, voilà, moi je passe un très bon moment sur For Honor et je vous incite donc tous à le prendre et à vous y arrêter si jamais le médiéval, le côté combat vous intéresse. Allez-y, plongez dedans sans hésiter. Il vaut ses 70 euros. À
Après, vous l'avez à 51 balles. Il vaut plus ces 51 balles chez Auchan. C'est une certitude. Mais c'est vrai que voilà, c'est un des rares jeux. J'en parlais au gars tout à l'heure. Disant, je suis même à deux doigts de me dire, est-ce que je vais pas me prendre le Season Pass alors que je ne prends jamais les Season Pass. C'est un truc, j'en ai rien à battre. Et là, je me pose vraiment la question. Alors après, quelle faction va nous rajouter? Moi, je spécule, attention, je ne sais pas, mais je sens que ça sera les Sarrasins. Les Sarrasins de l'époque. Je pense qu'on aura cette faction-là. C'est une faction qui peut avoir des belles épées bien arrondies, persanes, avec les arcs bien ondulés. Et les Sarrasins, les Perses étaient très très forts, les Sarrasins, ou les Perses du moins. Je les mets plus ou moins dans la même catégorie parce que c'était plus ou moins les mêmes armes à l'époque. La même influence culturelle, pour faire un peu d'histoire. Et je suppose, attention Master Geek, que ça sera les Sarrasins ou les Perses, la prochaine faction. Voilà. Donc, on va pas continuer plus longtemps. Si vous voulez voir la suite de mon test du jeu vide de For Honor, n'hésitez pas à aller sur le podcast numéro 5. C'est ça ? Ouais, le podcast numéro 5, vous aurez la suite de mon avis. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Là, on enchaîne un peu ce week-end. Il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver. Il y a une vidéo. Donc, actuellement, est tombée la vidéo déballage de la Switch. Donc, le podcast est déjà tombé un petit peu avant. Vous aurez une vidéo de moi et de Yomi. De Yomi et moi, pour être poli, de l'interface de la Switch. Et ensuite, ce week-end, en fin de week-end, donc qui devrait tomber à peu près en début de semaine prochaine ou fin de semaine prochaine, on verra. Il y aura du moins l'avis de tous les Master Geeks qui auront eu le temps ce week-end de tous essayer la Switch et vous donner nos impressions. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve sur le champ de bataille. On va vous saigner. Je vais vous mettre un coup de hache, Erzir, un coup de Kensei, sabre. Et voilà, je vous dis à très bientôt. À ciao et amusez-vous bien. You crazy mother-